Et bonsoir à toutes et à tous, ici Petit Prince 09. Je vous retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2 de la série Survie sur Minecraft. Ouais, ça fait tout de suite moins épique, j'avoue. Bref, je vous retrouve entouré des deux mêmes tapettes slash tête à claque que la dernière fois. Il s'agit de Lorenzo et de Stan le Zen. Oui, Stan le Zen, on l'appellera Stan le Zen. Du coup, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 2. Tac, et on part tout de suite. Oui. Non, je déconne. Du coup, vous constatez qu'ici, on a une cahute avec trois petits lits. Il y a quelqu'un qui va devoir s'occuper d'aller chercher de la cobble. Et quelqu'un d'autre qui va s'occuper, en même temps qu'il aura chopé de la cobble, d'arranger la cahute. Hein, voilà, déjà. Et toi, Stan le Zen, Stan le Zen. Arrête. Oui. Tu vas transférer tout ce qu'il y a là-bas dans la cahute. Fuck. Et au passage, il faudra aussi qu'on fasse des hot furnace. Non, je cherche pas à comprendre, tu m'as dit. Apparemment, c'était un creeper, apparemment. J'ai rien pris de ce qu'il y avait dans les coffres, t'as tout, mec. Hein. Sache-le. Oui, je sais. Dis j'amène tout dans l'autre, hein. Je cherche pas à comprendre midi 14h, moi. T'as laissé le haut fourneau dans la maison du Gus, quand même. Oui. Bien, brave garçon. Pousse-toi, gros lard. Ok. Ça fait quoi, ça, les là, tu poses, là, tu poses un truc. Là, la table de craft, tu fais un trou là. Là, la table de craft. C'est dans le zen. Oui, attends. Je range tout dans les cuffres. Personne ne touche la selle qu'il y a dans le cuffre, c'est la mienne. Mais si j'ai envie de la toucher, de la tripoter. Ah ouais, t'es sûr? Regarde-moi dans le blanc des yeux. Tiens. C'est on veut combien de cobble? Beaucoup, il va nous en falloir beaucoup, beaucoup. Ouh, un fer. Waouh, tu veux que je fasse quoi avec un fer? Tiens, c'est pour moi, c'est cadeau. Salut. Il va nous en falloir pas mal, donc de quoi faire la cahute et de quoi faire cuire trois fois ou deux fois pour. C'est deux fois et je me rappelle du. Deux fois pour le craft du haut fourneau. Et il va nous falloir un fumoir et le fumoir, je connais le craft. Donc il va nous falloir de quoi fabriquer déjà des fours. Donc 8 et 8, 16 et 8. Il va nous falloir 3, 4, 5 fours au minimum. Donc que du coup les arbres on les coupe en 2 secondes, hein, si je me rappelle bien. T'as pas besoin de sneak, ça fonctionne en 2 secondes, ça les coupe, ouais. Et il faut des bûches. Je précise, il faut des bûches et non des planches pour le fumoir. Oui, de toute façon je suis parti récolter des arbres parce que c'est aussi mon boulot. Moi je vais manger un coup. Et je vais partir chercher les ressources. Je vais commencer à descendre en 12 les gars. Je vais partir à côté de la cahute directement. Ok, vas-y. Parce que ce qui est à côté du village, ça descend pas de ouf, donc je vais creuser un trou là. Bah, j'avais déjà commencé à creuser en fait. À côté de la cahute? Non, dans le trou que t'avais déjà, enfin dans la mine de la village. Ouais, mais je creuse un opti en fait. Ouais, bah oui, c'est ce que j'ai fait en fait dès qu'à un moment, tu sais, ça s'arrêtait. J'ai un squelette qui veut me faire l'amour. Ah mais là je pars full opti en fait. Et il est en train de cramer comme une sale bousasse. What the fuck, je retombe dans une mine là. Je viens de retomber dans une mine. Indirectement. Ça vous suffit. On en parle qu'il y a Epic Level. Oui, il y a Epic Level, mais Epic Level il est cassé, j'ai pas réussi à le config. Bah écoute, je viens d'avoir le truc de Epic Level. J'ai tué un mob, Epic Level, you killed on skeleton, on gain 2,5 XP. Ouais, mais c'est juste affiché, c'est tout. Bah en attendant, c'est ce que j'ai gagné. Bah c'est ce que tu gagnes en attendant. J'ai gagné 2,5 niveaux. Ah ouais okay. Ouais. Ah bon, bah c'est que j'ai bien réussi à faire mon truc alors. J'avais réussi à le configurer. Pas là. J'ai récupéré de la ferrite, donc je vais repartir dans mon trou de là d'où je suis venu. Bah écoute, moi okay, je ramène du cochon à la maison. Il est là le
ça le trou? C'est ça le trou. Mais poussez-vous de l'entrée, bande de sales bestiaux. Voilà. Allez, des bisous, hein. Ah, j'ai un petit coup de F3, on couche 55, ok. Et franchement, toi là, le farmer, tu serais prié d'éviter de dégommer ton propre champ quand même. Hein? Heureusement que j'en ai une deuxième dans la poche. Ok. Et bingo. Et on repart. J'ai pratiquement un stack de bois, hein, au passage. Ok, bien vu. Pas de bûche, plus exactement. Moi, je suis en 49 pour l'instant, je continue à descendre. Ah, oh, oh! Mineshaft! Ah ouais? Ouais! Bon. Super! Il est infecté de mobs, le bordel. Mais Non, mais ça, c'est normal. Et du coup, ouais, un petit truc cool, c'est qu'on a trouvé un mineshaft. Ok, le creep est là. Non. Sale fils de pute. Il a l'air assez grand en plus, hein, de ce que j'en vois. J'entends des araignées dans tous les sens en plus. Hein? J'ai eu un max rollback tout à l'heure. T'as eu un rollback du démon? Ouais. Ah, ça arrive de temps à autre. Bon, la bébé vache, elle serait priée de grandir. J'ai un coffre, j'ai trouvé un coffre dans le mineshaft. Pas très loin du spawn en plus. Nickel. Wouah, l'armée de creepers! Ah ouais? Ah ouais, il y a une armée genre en mode je vais te buter! Là il y avait genre bien 3-4 creepers au moins. Ok. Ouais, donc il y avait bien une armée de creepers en mode je vais te buter quoi. Putain, je suis dans la merde par contre. J'entends des zombies et des trucs dégueulasses dans tous les sens. Faut que je torche vite, c'est bon. Dis-moi que c'est pas en dessous. Putain, j'ai l'impression qu'ils sont tous sur moi. Le surround, c'est dégueulasse! Le 7 points! Quelle horreur! Putain, je déteste le 7 points! Pourquoi j'ai pensé en 7 points? Putain, en virtuel en plus. La pire des idées que j'ai pu avoir, bordel. Bon, ok. Je vais pouvoir. Non! Le creeper! Non! Ne me dis pas. J'évite juste de crever, quoi. Parce Attends. Que je pense que tu dois avoir déjà pas mal de matos. C'est bon. Non, j'ai pas encore fouillé le coffre, du coup, j'ai essayé de faire en sorte que les creepers ne s'en approchent pas. J'ai bien fait. Oh putain, c'est. Bon, il y a de la torche, mais c'est quasi que de la redstone, c'est chiant. J'ai un rail déclencheur, j'ai un name tag, j'ai 6 poudres de redstone et. Mais super, on pourra appeler un cochon The Cochon. Avec une vache marguerite. Ouais, dans l'idée, c'est ça.
ça s'explore. Bon, je suis en train de ratiboiser. Hein. Oh, oh fucking god! Genre à ce point. Ok, ils m'ont pas vu, c'est bon. Bon, il fait nuit. Moi je peux pas venir vous rejoindre là, tout de suite les gars parce que je suis dans le mineshaft. Oh ouais, non mais t'inquiète. C'est pour ça qu'idéalement faudrait qu'on se fasse des horloges comme ça pour ceux qui vont dans la ville. Fuck! Je suis là. Et... Fuck! C'est pas grave, on descend directement dans le mineshaft par là où je suis passé les escaliers donc. Par contre, le lit, ce serait bien que vous veniez vous coucher les gars, ce serait cool. Ben, pour le moment, moi, je suis un petit peu paumé dans la forêt. Et je fais que retomber, putain de... Je vais pas devoir te TP, quand même. Non, non, je vois la lumière d'ici, donc c'est qu'il y a la maison pas trop loin. Mais c'est juste que je me fais agresser. Ça me casse. Oh, je tape un sprint dans les forêts. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il y a des chats dans la forêt, donc déjà, ils devraient pas trop avoir de keeper. C'est bon, je suis là, il y a un zombie qui me poursuit. Un bébé zombie, tu vas crever. Tu vas crever, ça va crever. Ça va crever. Non, c'est moi qui vais crever. Non, c'est moi qui vais crever. Gnon. Ah merde. Aïe. C'est toi qui as pris l'XP, enculé, en plus. Ah ouais, non. Si. Non, parce que moi le dernier mob que j'ai tué c'est un sheep. Oui mais c'est toi qui as pris l'XP qui est tombé au sol. Je suis un bouffon. Ah oh, oui, mais... Tu sais ce que c'est, Lorenzo? Ouais. T'as ramené de la cobule, Lorenzo? Des barrières, Lorenzo? C'est moi qui ai mis de la bouse, c'est moi qui ai mis de la bouse. Il y a des barrières? T'as de la cobble sur toi, Lorenzo? Ouais, j'ai de la cobble. Donne la cobble que t'as. Donne toute ta cobble. Attends, je la pose dans le coffre. J'en ai un peu aussi. Ouais, je viens. Dans le coffre. Ah, mais j'en ai sur moi. Je suis bête. Mais oui, j'ai miné, quel débile. Tiens, regarde tout ce qu'il y a en coffre. Il n'y a pas de cobble. Or, ceux-là qui sont en plein milieu de la ville, on va les dégager parce que c'est... Stanley, ramène-moi des bûches. Des bûches? Oui, ramène-moi des bûches. Du coup, tu combien peux... attends, reviens, Lorenzo. Tu veux combien de bûches? Ramène-moi des bûches. Dans le coffre. Bûches. Tu vas prendre ça. Toi, tu prends ça. Tu vas, tu vas le faire cuire au fourneau là-bas avec ça. Oui, bah vas-y, donne. Là, je viens de te donner le charbon pour mettre dans le fourneau. Tu vas, tu me fais cuire ça deux fois. Tu pour pas tout, tout, il n'y a pas besoin de non, tout. Non, pas hein. Tout, mais tu fais cuire ce qu'il faut. Lorenzo, viens. Il y a déjà du charbon dans le fourneau. Un, deux, trois. Ça marche pas, il faut le faire cuire dans un four normal. Allez, hop. Ok, tiens. Non, là, c'est pas moi. Ah, merde. Mais c'est bon. Lorenzo, tu prends toute la cobble qu'il y a dans le coffre, tu la récupères, tu commences à nous faire une construction un peu plus digne de ce qu'on a. Un peu plus grand, un peu en plus. Déjà, en ce cas-là, je vais chercher le tailleur de pierre déjà. Hop, ici, hein. Allez. Pouf. Il va nous en falloir, si je me rappelle bien, du craft. Du craft. Il en faut 3. En bas, le reste, c'est des blocs de fer. L'info 3? Oui, il y a 3 en bas, le reste c'est des blocs de fer. Donc j'en fais 6, comme ça on aura de quoi faire un deuxième au fourneau. Ouais, mais du coup j'ai quoi en fer sur moi là? Moi j'ai toujours le 1 de fer que tu m'avais jeté à la gueule. J'ai 40 de fer sur moi. Je sais pas si ça va suffire. Je te l'ai recraché. J'ai un fumoir, mais il faut attendre que Lorenzo ait attaqué. Je vais agrandir déjà ici, je vais enlever tout le bois pendant que Lorenzo il agrandit. Bah, moi pour l'instant ça cuit. Pour le moment je mets un coffre au pied du lit du milieu. Lorenzo t'es où? Yann.
train de chercher dans la ville. Yann? Ah, le tailleur de pierre, il est à l'entrée du village. Frérot? À l'entrée Oui? du village. Le coffre qui est par terre au milieu, si tu regardes bien, c'est que pour de la bouffe. J'ai vu. J'ai vu, j'ai vu. Bouffe et pousse. C'est pourquoi tu crois que j'ai un fumoir dans mon inventaire? Ouais, non mais c'est en attendant, comme ça je me libère inventaire. Prends ta hache Comment et t'as aide-moi à mis? défoncer le bois là. Je ne trouve pas le tailleur de pierre. Je vais aller chercher le tailleur de pierre. Je sais où il est. Ok, Moi c'est aussi, bon. je suis oui. Je le pète le tailleur de pierre pour le prendre? Oui. Non, tu l'utilises. Bah Non, parce d'accord. que sinon ça va buter le fort, un des Ouais, PNJ. il faut que tu l'utilises, ouais. C'est juste Utilise-le qu'il faut pas que juste, tu le l'utilises. dégomme pas, on Ouais, s'en fabriquera. sinon on perd un PNJ, ouais. Ah putain, non, faut que je les fasse chauffer d'abord. De quoi, la pierre? Ouais, sinon on a juste à quelques Ouais, dizaines deuxième tournée d'âges. de Ouais, mais on cuisson s'en pour fout, on fait le. déjà un cube en pierre un peu plus grand que ce qu'on a là et un peu Ah, comme ça, aménagé. tu me donnes une chanting de Sinon, fou. on Non, mais un agrandit truc un. celui-là. Mais oui, le but il est On d'agrandir agrandit ici. celui-là et puis c'est réglé. Bah, le but il est d'agrandir ici, oui. C'est pour ça Ouais, qu'on a comme viré ça, tout le c'est déjà. bois. Tu me demandes juste déjà de faire une Juste, tu vois, là, on construction. dégomme là, tu vois, vraiment, on Ben va gros, agrandir. on a Pour déjà bloquer. transféré, on a déjà tout transféré. On va pas retransférer tout une deuxième fois, réfléchis. T'as grandi ici. Alors, tu vois, Tu peux t'arrives, laisser tu fais quoi? ici, tu peux laisser ça en bordure et puis tu agrandis après avec des trucs qui te paraissent jolis, mais tu restes sur de la pierre et puis le tailleur de pierre, c'est que des blocs, on s'en C'est fout. pas beau Hop, comme tu vois, truc, le déjà, tailleur de Rad, pierre. c'est déjà mieux, là. Tu veux faire une pyramide Non, de c'est hobbits? Fais pas une beau. pyramide de hobbits, on s'en fout. Fais ce qui te Non, plaît, c'est mais. juste que c'est dégueulasse, ouais. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout, en fait, un plus grand. Tu vois, c'est, Bah voilà. après, voilà, Le au petit pire, tu cube peux faire carré. l'entrée. Au pire, on rentre par ici, tu vois, genre. Hop, tu viens, là, tu laisses deux blocs, là. On posera deux portes et puis on s'en bat les couilles. Mais qu'on puisse poser tous les blocs dont on a besoin, en fait, pour travailler, c'est ça le bail. Alors attends, par rapport à comment t'as foutu, j'ai plutôt foutu ça là-bas. Hop. Ouais, mieux, ouais. Comme ça. Là, je vais mettre le Oh, fumoir à côté là. voilà, je récupère ce Putain, cuf. est-ce qu'elle est cuite la pierrite? Ben, Oui, vu que j'ai t'as. 7 roches lisses sur moi, est-ce que c'est ça? Il faut que je fasse. C'était pas de la roche lisse, c'était de la roche cuite, cuite, cuite. Hein. Elle était en train de. Bah, tiens, c'est Donc pas. tu l'as Non, dégommée avant non, qu'elle c'est pas recule. grave, tiens, c'est pas grave. Tiens. Non, mais Tiens. il y a le. Tiens. Ce qu'il y avait dedans, vas-y. Mais j'ai remis du fer là-dedans. Le reste? Eh ben je t'ai donné, je t'ai tout donné, non? Ah non, tiens. Et la pierre lisse? Alors, c'est pas normal qu'il y en a 7, t'as dû en récupérer une, mais il y a ce qu'il faut. Non, j'ai tout, j'en ai que 7, hein, de pierre lisse, mec, sur moi là. J'en ai pas d'autres. Donc, c'était comment déjà que ça se craftait cette dobe? J'ai le craft en tête, je l'ai le craft, t'inquiète. Il faut juste que le fer y cuise là et il me faut 9 et 9, 18, Donne-moi 3 fers. 18, non, non, Donne-moi 5 fers. pour. Ben pour faire le four. Mais je les ai les 5, donne le reste, j'ai tout sur moi là. Ah, t'as repris la roche. J'ai vu, mais le problème c'est que là j'ai l'inventaire qui est plein parce que j'étais en train de faire en sorte de déplacer les coffres. Hop. Pas ça. Il me semblait que c'était ça. Ah non, c'est trois blocs en bas, je crois. Oui, trois blocs en bas, le four au milieu entouré de fer. Non, ça marche pas. C'est trois blocs de fer en Donne. bas. C'est trois blocs de fer en bas entourés de pierres de roches lisses. Non, c'est trois blocs en bas, j'ai le craft sous l'œil. Trois blocs en bas, le four au Ah milieu non, d'accord. et tout le reste de fer. Non, pardon, c'est ma faute, c'est parce que c'était pas les bons blocs, j'ai mis la laine blanche comme un débile. Débilus, voilà. J'ai. Hop, on va reboucher ces trous là. Sérieusement, t'as refait une table de craft? C'est une que j'avais dans mon inventaire de base, celle-là tu la fourres dans un coin dans le sol. T'en bats les couilles. Genre vraiment en mode bas les couilles? Oui, tu la fourres dans le sol, au pied de l'autre, à la limite, ou sous l'autre, ouais, voilà.
Ouais, par contre, tu vas dégager, toi, mon frérot, là. Ouais. Bah, fais des portes en fer, comme ça au moins on est réglé. Et Ouais, rentre en plus. des trucs à boutons. À la limite des dalles de pression pour sortir, Tu mais. peux. Ah non, c'est Non, bah bon, non, franchement. sinon ils vont rentrer. Non, pour sortir, juste des dalles de pression pour que nous on sorte. Mais à l'entrée, on met des boutons pour rentrer. Ça, c'est déconseillé ce que tu fais. Qui? Toi. C'est le coffre à bouffe? Oui, mais il va pas aller là. Ben, putain. Je vais tenter de faire un hopper qui alimente automatiquement le bordel. Donc je vais. Ton coffre, il va aller bien là, mais entre deux, il va y avoir un. Il va y avoir quelque chose pour faire tomber la bouffe direct qu'elle cuise. Donc ça veut dire que tu vas me m'enquiquiner pour mettre juste la bouffe possible de cuire dedans, ouais. Comment ça se fait un hopper déjà? Sais plus. Demande à Google. Il me semble que c'est 5 paires en Je vais le 40. buter ce village, je vais le buter. Je vais le manger tout cru. Aïe. Bon, à chaque fois, les villageois dégomment le même truc. C'est bon, voilà. Bah, les couilles, frère. Hein, je reconstruis plus. Ça marche pas les 5 fers là. Marche pas, alors. Je pourrais pas t'aider. Ça embête, ça. Comment ça Ah, marche si, pas? avec un coffre au milieu. C'est avec un coffre au milieu. 5 fers avec un coffre au milieu. Ah Ok, je m'en occupe. Je me fais le coffre. Ouais, il semblait qu'il y avait un bail chelou chiant comme ça. c'est voilà, je t'en ai fait un. Ok, Je bah l'ai je. balancé. Ok, donc lui, il saute. Ça fait mieux déjà là. Oh! Oh! Mais les gars, quand vous cliquez avec une hache, cliquez avec une hache, clic normal pour péter et sur le four. Vous allez voir, ça va vous étonner. Sur le four normal? aussi, ça marche sur les trois fours. Ben voilà. Pour les péter, il faut sneak. Non, tu maintiens. Ouais, mais avec une hache, quand tu cliques avec une hache sur les fours, on peut les upgrader du coup. Ben oui, mais non, moi je peux pas. Ah ben Ça me moi je fait peux. rien. Ah ouais? Aïe. Ah, c'était pas du tout volontaire. Je vois. Une hache, une pioche. Une épée, et ça marche pas. Ah bah c'est moi alors. Bon bah je m'occuperai de ça. Non, mais comme le double jump, il n'y a que des trucs Ouais, que je sais alors en par soi. contre, les forgelols, le forgelol, déjà toi, t'as ta baraque. Alors arrête de nous péter les couilles. Et J'ai le ses douilles. fournier. C'est quoi? Allez dans vos lits. Sérieusement? Ne mets pas des portes en bois, j'ai jamais dit de faire des portes en fer pour faire du Mais oui, combat. mais il les a toujours pas fait, donc je mets ça, parce que sinon, on va se Bah dans faire les un. deux cas, ils peuvent rentrer, ils les ouvrent. Mais bon. Oui, non, mais là, c'est pour surtout pour les mobs la nuit, parce que c'est la nuit. Tiens, 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 tiens. Voilà, fais pas chier maintenant, dégage. Lol, je re. J'ai pas réussi à sauver le marchand. Il y avait un marchand, il s'est fait éclater par exemple. Tristesse. Il manque pas un coffre à ressources là par exemple? Si. Du coup j'ai par contre du coup j'ai chopé une laisse. Bien vu. Voilà, on a un coffre à ressources, je peux enfin commencer à poser tout ça. Ça ne marche pas. Pourquoi? Est-ce que mon système serait-il mal fichu?
Mais ça ne sort pas. Bah si, bah non. Parce que si jamais là, elle sort. Bah non. Ok, mon système est un chouïa foireux. Il me refaut un entonnoir de plus. Il faut que je décale tout le système. Allô? Oui. Oui. Ah, super. Non, donne du fer, donne le fer, donne-moi du fer, donne 5 fers. J'ai pas tout. Yalla. J'avais besoin que de 5, mais il manque un hopper pour finaliser le petit système. Comment on fait les demi, enfin, les dalles de pression en pierre déjà? Normalement, tu poses juste Ah, mais il faut de deux. la roche. On va les faire cuire. Pendant ce temps, je vais faire les boutons. Ah, il faut de la roche aussi. Oh, on en a eu deux. Oui, je t'ai dit ça, oui. Ben, c'est normal que j'ai marqué level 1 fournaise. Ah, il y a des levels, ouais, donc ça doit être possible d'upgrade. Oui, je peux les upgrade, oui. Mais il n'y a que toi. Ah, il va falloir en faire plus. Bon, sinon on va dormir. Il veut quoi, le monsieur? Ouais, tu peux me donner le lit que t'as pompé pendant ton sommeil? Hein, Lorenzo? C'est le mien. Non, 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 non. Je viens de détruire le lit où il était couché l'autre bouffon pour pouvoir m'y coucher moi et du coup tu l'as avalé. Donc je j'ai pas de... Dans ton inventaire. Voilà. Si Jette-le plus loin, sinon il va le récupérer. Pourquoi les hoppers ils arrivent pas à se relier entre eux? C'est quoi ce délire? Yann, Est-ce qu'il faut dodo. les lier nous-mêmes? Enfin, c'est Yann, je le ferai devant dodo. Tu dégommes le lit, que tu le reconstruis. Je l'ai pompé, exact, c'est ça? Voilà. Vous avez le choix, soit avant la fin de la journée, vous sortez, soit je vous bute. Non, et puis on fera plus de lits, c'est pas grave. Non, parce que déjà, ils s'occupent même plus de leur champ, du coup. C'est pour ça que c'est soit ils sortent, soit je les bute. Et ils respawneront tout seuls Ah. comme des grands. Il a respawn le marchand ambulant, mais par contre, il a plus de... Du coup, c'est la map. Et on périt. Il a respawn le marchand. Il y a un marchand ambulant? Ouais, mais du coup, il a plus ses lamas qui sont morts hier. Et ils vendent n'importe quoi. Ils vendent des fleurs contre des émeraudes. Ouais, tu veux dire, il achète des fleurs pour des émeraudes. Contre des émeraudes. Non, ils te donnent des fleurs en échange d'émeraudes. Inutile. Oui.
Qui a de la bouffe à faire cuire? Ben. Mais crève, sa tête cochon! Moi, pourquoi? Parce que j'ai Genre, j'en ai une parce que tonne. ben justement, normalement, j'ai normalement automatisé Automatiser mon. le système. Ah! Le fermier s'est barré. Bonne chose que cela. Voilà, ça c'est fait, c'est réglé. Normalement, viens voir là. Donne la bouffe. Derrière toi. Ah, je fais du rangement. Donc dans le coffre qu'elle a, En haut, vas-y. juste, voilà, je garde deux, trois, Non, attends. ça va pas fonctionner comme ça. Ton repère, tu l'as relié au mur. Regarde. Merde. Attends. Je te clique Dis-moi, sur c'est le moi qui l'ai. truc. Donne. Voilà. Voilà, c'est bon. Ok, là ça descend, ça cuit, et normalement si je me suis pas trompé, ça devrait descendre ensuite dans le grand coffre qu'il y a là. Tu les as bien Ok. reliés, ceux-là en dessous, t'as pas fait la même erreur? Eh bingo mec, normalement. Non mais ça, tout ça va en haut la bouffe qui est pas cuite. Mais Ben, oui, c'est ça la bouffe arrive, qui se cuit pas, ça, donc si t'as envie si. de boucher le Mais les hopper. carottes, ça se cuit. Mais il faut. Non. Bah si. Les carottes, ça se cuit. Oui. Pas sûr. Non. Non. Ah, je viens de faire le test. Non. Ok, alors tu vas me refaire une autre paire de coffres pour y foutre la bouffe qui n'est pas de la bouffe à cuire ou cuite. Ben, donne-moi tout, tout. Donne-moi tout. Non, ça c'est à moi. Je veux bien que tu me la rendes, s'il te plaît. Tout, tout, tout. Même les graines, tout. Là, tu me craches tout. Là, tu fais E, tu me craches. Et tiens. Ah ben, on se touche. Voilà. Je vais faire encore mieux de faire le coffre. Coffre pour les plantations et basta. Est-ce que tu penses qu'on peut mettre un deuxième hopper à côté relié à celui-là qui divise la bouffe, que quand un est plein, ça redivise dans l'autre? On peut faire ça sans avoir besoin de trucs, non? Si je mets un autre Non, hopper, là ça j'en ai sert à 5. rien, t'embête pas, va. Allez, pousse-toi. Ouais, tu me diras ça quand j'ai suffisamment de Non, bouffe. ça va faire un étage, en gros, faire descendre encore pour 1, 2, 1, 2, stockage. voilà. Non, mais par contre, je vais faire un autre truc qui sera relié pour le métal. Avec le même principe. Donc, mission va être de faire des coffres. S'il y en a un qui Je décoffre, qui dégomme le coffre suivrai. que j'ai mis à côté de la maison, je le tue. Que j'ai mis devant la maison, je le tue. Pas de coffre devant elle. Pas au niveau de la porte, plus exactement. Dans la maison. Ta grand-mère! C'est gentil. Un creepy qui m'est genre arrivé sur la gueule dans le dos. Ouais, du coup, par le marchand ambulant, du coup, il se barre plus. Ben, bute-le. Alors, les gars,
Ouais. Donc je me dis, il va y avoir d'un côté la graille et de l'autre le métal. Dans le même four, pas dans le même coffre. Non, non, justement pas. J'ai fait en sorte que non. Sinon, t'as fait game, t'as fait gaffe à ton temps de vidéo. Non, parce que perso, non, j'ai pas fait gaffe à mon temps de vidéo. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là après avoir mis en place ce système entièrement automatisé de cuisson de bouffe et de cuisson de fer. Ouais, on va s'arrêter là. Écoutez tout le monde, je vous fais à tous de très très gros bisous. Ils sont où d'ailleurs? Revenez dans la maison les gars, qu'on puisse faire une outro sympathique déjà, qu'on puisse dire au revoir à tout le monde. Yep. Ok, il y en a un là, Lorenzo. Ok, On et change en chemin. lui il est là. Ok, je vais mettre double F5. Voilà. Eh ben écoutez tout le monde dans l'autre sens, Stanley. Voilà. Lorenzo, voilà, merci. Écoutez tout le monde, on se retrouvera dans peu pour l'épisode 3, 4, 5, 6, 7 et puis la suite de la série. Je sais pas jusqu'où elle va aller, quand est-ce que je l'arrêterai. Pour le moment, j'ai envie de tourner, donc tant que ça tourne et qu'on fait des épisodes, je pense que on continuera à tourner. Malheureusement, on tourne à la suite, donc on n'aura pas vos retours de l'épisode 1, ni même probablement de l'épisode 2, et ce pendant un petit temps, je pense, peut-être même pendant toute la série. Donc voilà. Écoutez, on vous fait de gros bisous, les gars. Des bisous. Et à plus tard, tout le monde. Allez, ciao, ciao. Ciao.